Voici le plus grand défilé du Mardi Gras 2022. Le Mardi Gras est une période festive. Cette période marque la fin de la semaine des 7 jours gras, autrefois appelé jour Chanel. Le Mardi Gras est suivi par le Mercredi des Cendres et le Carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à manger maigre, traditionnellement en s'abstenant de viande. Dans certaines écoles, ce jour marque le jour de déguisement où chaque enfant est appelé à s'habiller comme il le souhaite, s'habillant selon la carrière qu'il souhaitait embrasser plus tard. Voici donc pour vous le plus grand défilé du Mardi Gras 2022. Le producteur d'Obams fait des révélations. Invité à une mission de la 3, le producteur d'Obams, Malik Diomps, ne s'est pas fait prier pour tout révéler sur son poulet. Voici sa déclaration. Obams était nourri, logé et blanchi quand il était logé dans mon label. Il avait une voiture à sa disposition et un pourcentage. Je pense que c'est son manager El Fazo qui a mélangé sa tête pour le pousser à avoir un tel comportement. Quand il m'a dit qu'il veut partir, je me suis demandé comment il veut partir alors que ça marche bien. Je croyais en lui. J'ai beaucoup misé sur lui pour en faire le prochain Fally Ipupa. On était sur une collaboration avec Kofi Olomide, Yemi Alade, etc. Il se fait du mal à lui-même, pas à moi. Juridiquement, en tant que producteur, j'ai la possibilité de faire arrêter ses managers ou de bloquer ses spectacles parce que le contrat coûte toujours. Mais je préfère prendre la hauteur. Je suis en train de faire au vieux camp. J'ai beaucoup d'autres artistes qui vont sortir, a déclaré l'ex-producteur d'Obams.